Salut les voyageurs, vous voulez pas le faire? Ben si, mais t'as on commence, on recommence. 3, 4. Salut les voyageurs. Bien maman. Bien. Ça y est, t'es dans le rythme. Oui, vous allez comment les petits pharynx ce matin? Mais nous on va bien, hein, en même temps. Il est 12h45. Franchement, on a l'impression d'être en vacances. Truc de fou. C'est un peu ça, quand même. Que se passe-t-il ce matin? T'as vu, je me suis redressée parce que je me suis rendu compte que j'étais affaissée et que t'étais plus grande que moi. Et je pense même que j'ai coupé un peu les cheveux. Oh là là. Hop là, tout de suite, ça change tout. Hein. Putain, mais tu fais des bosses, bon boulot, là. Donc, oui, rapidement, hier soir, un abonné nous a dit que c'était un peu monotone, nos intros, et il m'a demandé de filmer un petit peu la route avant de parler. Donc, j'espère que ce petit passage de route va vous plaire. Et voilà, la parenthèse est refermée. On peut continuer. D'accord, très bien, bravo, pas de soucis. Oui, non, c'était important, on nous donne des conseils, on applique. Oui, pas de soucis, moi. Tant qu'on veut, hein. Moi, je te laisse faire. C'est parce qu'on veut bien aussi, hein. Ne donnez pas des conseils tous les jours. Ah non, non, bien sûr. Et aujourd'hui, bon, on va commencer par prendre notre repas. Alors là, je crois que c'est une première, ça. Oui. C'est pas monotone, ça. Non. D'entrée, on mange. Bon, le cadre est pas splendide. Ah oui, mais ça, on n'y peut rien. C'est un petit restaurant oui, sur le bord de la route. Bah, écoute, hein. Nous, on est bien comme tous. Déjà, il existe. Ouais. Et on va bien manger, je pense. Oui. Donc c'est l'essentiel. Ça se cuisine, tranquille. Et puis ensuite, pour cette dernière journée à Pattaya, parce que là, c'est sûr, c'est la dernière. Oui. Bah, on a deux petites choses encore que qu'on aimerait voir quand même. Qu'on aimerait. Qu'on aimerait... C'est moi. C'est que j'aimerais voir, mais au dernier moment, j'ai dit que toi aussi, tu voudrais bien le voir, mais je suis pas sûr. Alors. Tadam. Ce midi, ce sera pas crapao, kai, crapao, pas crao. Caprao. Caprao, c'est ce que j'ai dit. Pas de caprao. Pas de crapao, kai. Non, pas de caprao. Voilà. Tu répètes jusqu'à ce que tu saches le dire. Pas de caprao. Pas de crapao. Pas mal, pas mal. T'es complètement sourd, toi. Hein. Excusez-moi. Donc, au poulet pour Wiki, et pour moi, ce sera seafood, fruits de mer. On a demandé non spicy, c'est pour ça que c'est pas très rouge la sauce. Voyons. Ah, c'est bon, tu peux couper là. Non, j'attends la dégustation. Oh. Alors, spicy ou non spicy? Comment te dire? Donc j'ai demandé non spicy. Alors non spicy, bah, du coup il n'y a pas de sauce du tout en fait. C'est fade. Ouais, ça n'a pas de goût, les fruits de mer sont pas assez cuits. Bah, le poulet ça va, le poulet est cuit quand même, bien sûr. Mais là, très salé par contre, c'est pas le meilleur, c'est même le moins bon. Ah ouais. Comme nous est servi. Bravo, super. Ouais, assez déçu, mais bon, on va manger quand même, ça va nous faire son homme. Hein. Eh oui, bien sûr, il faut prendre des forces. Oh que je suis déçu. Alors, mon wiki? Alors, nous avons parcouru combien? 3, 4 km maximum à depuis peine. Le restaurant? Nous sommes au Wat Yan San Vararam. C'est un complexe bouddhiste, maman, tout simplement. Oui. Donc, avec de grands édifices. C'est pas si vieux que ça. Ça date de moins de 50 ans, 1976. Mais je pense qu'on va découvrir quand même de beaux bâtiments, de beaux temples. Il y a intérêt, hein? Ah oui, mais vas-y, bah, je t'en prie, vas-y. Droit devant toi, tu peux y aller. Face à toi, mon amour, une réplique du temple Mahabodhi qui se trouve à Bihar, en Inde. Magnifique quand même.
Wiki, pour en terminer avec cette visite, un petit mot rapide. Un mot déception. Ouais. Bah oui, ça arrive, hein. On peut pas toujours être... Hein? On peut pas toujours gagner. Non, on peut pas toujours gagner, exactement. Non, je suis déçu. Bon, c'est un site gigantesque. Il y a même un moment où on a dû prendre le scooter pour aller sur certains bâtiments qui sont extrêmement loin. Mais ça apporte pas vraiment d'émotion, quoi. On se sent pas transcendé comme quand on visite un temple. Mais bon, c'est pas grave. Donc... Pourtant, c'en est un, mais... Je vais te donner des émotions. Je t'offre une glace, mon Wiki. Super, maman. Vous voyez qu'il m'offrait une glace, et bien voilà, j'ai trouvé un marchand de glace, comme on dit. Tada ! Et en plus, tu peux agrémenter de ces petits ingrédients, ma voix. Très bien, il y a quoi ? Les petits carrés de gélatine qu'on a dans les bubble tea, sauf que là c'est en carré. Ouais. Donc c'est pas un bubble tea, c'est un carré tea. Ouais. Ici je pense qu'on a la même chose, mais couleur bonbon Haribo. Ouais. Des cacahuètes. Voilà, il y a de quoi faire. It's for you. Maman, je t'ai menti. Menti de quoi? C'est pas moi qui t'offre la glace. Ah oui, c'est qui alors? Alain. Ah oui, Alain, le tipeur du jour. Alain, on te remercie pour ton soutien et grâce à toi, regarde un peu ces deux magnifiques glaces. Oui, qu'on a trois déjà boules. Entamées, ça fond très très vite. Hein. Oui, trois boules chacun. Pour moi, mangue, durian et milk tea. Et toi, maman? Milk tea, noix de coco et chocolat. Moi, j'ai agrémenté avec quelques carrés de gélatine et des fruits confits. Mmh. C'est bon. Waouh. Trop de mélange, tu les mélanges. Mais arrête un peu. Le durian, je le sens jusque là. Ouais, il est très fort. Waouh. Mais on peut pas dire que ça n'a pas le goût de durian, au moins. Ah oui. On n'est pas volé sur la marchandise. Ah, oh, ça fait du bien. Mm. Bon, je me suis aperçue d'un truc, c'est que beaucoup de vlogueurs de nos jours faisaient tous leurs vlogs en anglais. Ouais. Ils traduisaient tout en anglais. Effectivement. Et ouais. Du coup, pling, jackpot, des milliers de followers. Ah oui, bah écoute, tant mieux si maman, il parle l'anglais. Nous, on parle pas anglais, qu'est-ce que je te dis? Si, je parle l'anglais, donc tu vas expliquer où on est, moi je vais vous traduire en anglais. Ah ouais, bah, ok. Je suis comme ça, moi. Donc, nous nous trouvons sur le site de Cao Shi Shan. Nous sommes à le site de Cao Shi Shan. Appelé également la montagne de Bouddha. Ça s'appelle la montagne de Bouddha. Très bien. Super, dis donc, avec ça, on va en prendre des followers. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant des années... During long time... Nous allons avoir une extraction de minerais à outrance. Le homme gratte le montagne de le Bouddha pour prendre la terre. À ce moment-là, c'est pas la montagne de Bouddha. À ce moment-là, c'est juste une colline calcaire. Juste un caillou. Ok. Bon allez, c'est bon, t'arrêtes, tu me saoules avec tes conneries. Là. Après, moi, je vais faire le fil de ce que je dois expliquer. Donc, cette colline calcaire, oui. Pendant des années, on va en faire une extraction de minerais. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Ramaneuf, à un moment, il en a eu assez. Exactement, en 1995. Et oui. Pour éviter justement qu'elle soit détruite totalement, il va faire quoi? Il va demander quoi? Qu'on arrête. Maman, il va demander quoi? Qu'on fasse un Bouddha sur la colline. Qu'on dessine l'image d'un Bouddha. Au calcaire. Ouais, dans le calcaire, au laser, c'est ça? Ouais. Effectivement, oui. L'année suivante, en 1996. Oui. Pourquoi on a pris 1996 et pas l'année même? Bah parce que justement, en 1996, c'était l'anniversaire des 50 ans du couronnement du roi. Wow. On a donc effectué cette gravure au moyen d'un laser, comme d'accord. Tu viens de le dire. Une gravure qui ensuite va être incrustée de feuilles d'or. Wow. On se retrouve donc avec une gravure sur cette colline calcaire, qui est donc maintenant face à nous. Oui. Superbe. 109 mètres de haut sur 70 mètres de large, maman. Ce serait pas la plus grande gravure de Bouddha du monde? Eh oui, exactement. Bah tu vois. C'est la plus grande gravure de le Bouddha du le monde. Of the world.
Eh oui. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Non, c'était vraiment pas une journée facile. Ah non, oui, tu étais contrarié. Ah ben oui, parce que j'avais prévu deux petites sorties, puis... Ben on est quand même sortis, hein. Ah oui, on est sortis, oui, bien sûr. Mais bon, c'était pas Gen Gen. Non, on n'est pas... C'est pas le sanctuaire de la vérité, quoi, aujourd'hui. Ah non, ben ça va être difficile de faire mieux, hein. On va faire mieux. On va faire même niveau, mais... On va faire mieux. Eh, tu te calmes. Faut toujours viser plus haut. Oui, donc... Viser plus haut. Et moi aussi, je peux chanter. Vas-y, c'est quoi viser plus haut? Je sais pas, ça existe non, pas. Non, c'est aller plus haut. Ah ouais, aller plus haut. Ouais. Bah moi, ce sera visé, là. Bah tiens, en parlant de viser plus haut, ouais. Je vous fais un petit topo. Nous sommes à 1990 abonnés sur YouTube. Ouais, il bon en manque 10. Et si mes comptes sont bons, c'est bien, bon. Bien, maman, oui, est-ce que là, c'est facile. Donc, on va un peu se secouer le cocotier, là. Il faut 10 abonnés. Tant que je n'ai pas 10 abonnés, je prends Wiki en otage. Et ben donc pas de vidéo. Donc tant qu'on n'a pas atteint les 2000 abonnés, pas de vidéo. Ça calme, hein. Dis donc. Ouais. Puis, ça c'est sans concertation, tu prends non, la décision, ben oui. Quoi. Ben je te kidnappe. Ah oui. Ouh là là. J'ai déjà peur. Moi je suis tout bon. Est-ce qu'on non. a dit non, il y a rien de tout bon demain. Ben, non, demain on fait pas de vidéo. Ben non, parce qu'on n'aura peut-être pas atteint les 2000. Ah. Eh oui, en et non plus. Là ça n'a rien à voir. C'est pour des questions techniques. Ouais, parce qu'on a un peu plus de 200 km à faire. Ah, hop, ouais. On ne donne pas la direction. Non, bon d'accord. Quel suspense. Oh là oh, là, dis donc, t'arrêtes quel pas aujourd'hui, rebondissement dans cette chaîne, ça n'arrête pas. Tu veux le faire en anglais? En créole? Non, je peux le faire en créole. Demain, il n'y a pas la vidéo. Non, c'est pas la peine. Non. Tu veux quoi comme... Non. Rien. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits. Mais tu t'arrêtes jamais quoi. Tu vas nous les faire tous après en quoi en tchèque. Là, tu fais moi la maline. En slovaque. En suédois. Flûte.